solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere, este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Gagner. Attends, non, c'est moi qui va gagner. Tu n'y arriveras pas. J'ai déjà tout enlevé. Non, c'est pas vrai. Allez, on se dépêche. J'ai gagné. Allez, viens, Gaël. Ah, j'ai pas là. Je vais gagner. Tu veux te baigner avec nous? Moi, c'est Damian. C'est pas vrai, c'est Gaël. C'est pas vrai. Attends, ne t'en va pas. T'as vu sa tête? T'as vu comme elle était fâchée? Pourquoi vous lui avez jeté ça, hein? Bah, pour qu'elle s'en aille. Tu sais pas que c'est la petite fille de la sorcière du village? Ben, on verra bien si elle vous punit et vous transforme en crapaud. Vite, vite. Elle est super bonne. Super bonne. Non, non, la verte ne me plaît pas. Redonne-moi la noire. Tenez. Au fait, tu sais où est passé mon fils? Gaël est passé de bonne heure ce matin. Ils sont partis jouer avec la petite Elisa. Je ne comprends vraiment pas pourquoi mon fils est devenu aussi ami avec Gaël. Et je comprends encore moins que mon frère s'entête à s'occuper de ce petit morveux. Ah, madame, ce que fait notre père loupé est une œuvre de bienfaisance. Ah. Le petit est orphelin tout de même. Une œuvre de bienfaisance? Tu parles, et puis quoi encore? Il ferait bien mieux d'éloigner mon fils de ce gamin. Mon mari est rentré? Non, madame, en fait, je crois qu'il est toujours à l'usine. Antonia, j'ai demandé qu'on aille le chercher. Ils sont allés le chercher, madame. Ah. Alors dans ce cas, dis-moi pourquoi il n'est pas encore rentré. Il devrait déjà être là à se préparer pour aller chez les Castagnon. Ah, c'est pas vrai. Quelle idée mon mari a-t-il eu d'accepter ce maudit dîner? Vous n'avez aucune envie d'aller à ce dîner, n'est-ce pas, madame Diarengo? Non, Antonia. Mais si je n'y vais pas,
Mon mari est capable d'y aller tout seul. Et ça, je ne le permettrai pas. Hein? Non, certainement pas. Tu casses le sac, tu paies, hein? De pardon, les gars, allez, allez, un peu de nerf! On s'active! Patron. Qu'est-ce que tu veux, Gabineau ? Rien, patron. Il se trouve que... C'est juste que votre femme vous cherche. Alfonsina est ici. Ah, patron, si c'était le cas, je ne serais pas aussi calme. Par contre, elle m'a demandé de vous dire de rentrer chez vous le plus vite possible. Envoie quelqu'un lui dire que j'arrive dès que j'ai fini de travailler. Non, 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 non. Aucune ne me donne envie. Ah, madame, elles sont toutes très belles. Choisissez n'importe laquelle. Je t'assure que Stéphania Bouvier ne se contentera pas de n'importe laquelle. Dites, cette dame est sacrément jolie, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que tout le monde dit. Moi, je trouve qu'elle n'a vraiment rien d'extraordinaire. Ah. Oh, madame, j'étais occupée à discuter avec Braulio. J'ai cru que vous étiez partie. Non, surtout ne t'en fais pas. Moi aussi, j'étais occupée à choisir des piments. Regarde, qu'est-ce que t'en dis? Oh, ils ont l'air très bons. Et piquants à souhait, hein. Mmh, ils sentent fort, non? La sauce verte. C'est bizarre de vous voir ici, madame Stéphania. D'autant plus que vous êtes venue jusqu'à l'usine de mon patron chercher ses piments, alors qu'on sait tous que c'est votre mari qui les cultive dans ce village. Oui, mais quand je suis arrivée à la plantation, les camions étaient déjà partis et je n'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au cerf. Madame Stéphania a prévu de préparer sa sauce spéciale ce soir. Celle au piment pour recevoir Madame Alfonsina à dîner. Mais si vous me l'aviez demandé, je vous aurais envoyé un employé pour vous les apporter directement chez vous. Oui, Gabineau, merci, mais j'ai préféré venir les choisir personnellement. Allons-y, Lolita. D'accord, madame. Au revoir. Bien. Rosendo, tu es mon meilleur ami depuis des années. Je n'aurais jamais pensé que tu étais aussi peu ponctuel. Ah, mille excuses, mon cher Augusto Castaneon. Pardon, pardon. Il se trouve que j'ai eu un imprévu à l'usine. Bon, pourquoi tu m'as fait venir jusqu'ici? Eh bien, je voudrais que tu sois témoin de la coupe des piments qui sont déjà prêts. Bien que, Gabino... Ton principal collaborateur raconte le contraire. Ne t'en fais pas pour ça, je m'en occupe. Espérons que tu n'aies pas d'autres imprévus et que tu arrives à temps au dîner. Ou quoi? Tu vas me laisser en plan? Non, mais qu'est-ce que tu me dis? Jamais de la vie. Augusto, je veux te parler d'un truc très... très personnel. Toi et moi, on s'est toujours parlé avec beaucoup d'honnêteté. Tu crois que ce dîner va servir à quelque chose? Eh bien, Stéphania est vraiment disposée à arrondir les angles avec Alfonsina. Ta femme est toujours vraiment disposée pour tout. En revanche, la mienne... Enfin bon... Bref... On sera au rendez-vous, t'inquiète pas. Maman. Coucou, mon amour. Oh, Elisa, d'où est-ce que tu viens? Ne me dis pas que tu es allée une fois de plus jouer dans les champs avec Damien et Gaël. Hein? Oui. Et tu sais quoi? Quoi?
Je les ai invités au dîner de ce soir. Tu es d'accord, hein? Oh, ma chérie. Mais ce n'est pas un dîner pour les enfants, ma puce. S'il te plaît, maman, s'ils ne viennent pas, je vais m'ennuyer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, c'est d'accord. Finalement, tu as bien fait de les inviter. Merci. Lolita. Oui? Laisse ce que tu fais, s'il te plaît. Et prépare le bain de cette petite parce qu'elle est très sale. Vraiment très, très sale. Oui, madame. Dis, maman. Toi aussi, il faut que tu t'arranges pour être très belle. Oui, ma puce, moi aussi. D'ailleurs, allons-y pour ne pas être prise de court. Et tu finiras après. Oui, viens. Allons-y. Avant que je te jette dans la sauce. Regarde dans quel état tu es. Regarde-moi ça, tu es pleine de boue. Elisa. Oui, elle te plaît? Fais voir. Oh, elle est superbe. C'est vrai. Ne me dis pas que tu l'as achetée spécialement pour le dîner de ce soir. Non, je l'avais déjà achetée. Pas pour aujourd'hui, mais bon, je vais la mettre ce soir. Ah non. Non, Rosendo Arango ne mérite pas de tels égards, vraiment, non. Non. Pourquoi t'es-il aussi antipathique? Comment ça, pourquoi? Parce que c'est l'homme le plus riche de la Ermita et il se croit mieux que tout le monde. Quant à elle... Alfonsina, n'en parlons pas, tu es d'accord? Eh oui. Ne me dis pas que tu la trouves sympa, n'est-ce pas? C'est tout de même la femme du meilleur ami de mon mari. Je pense que c'est une raison suffisante pour être aimable avec elle. Mmh. Enfin. Je me sens horrible. Pourquoi? Je n'aurais jamais l'air aussi élégante que toi. Oh. Oui, je n'ai pas un mari qui cède à tous mes caprices comme toi. Des caprices, bah, encore si tu n'es pas mariée, c'est ta faute, c'est parce que tu ne l'as pas voulu. Ce n'est pas faute d'avoir des prétendants, et ça, tu le sais très bien. Ah, tu sais parfaitement que dans ce trou à rats, il n'y a aucune personne qui envahit la terre. Allez, arrête. Arrête de te plaindre. Mais si. Parce que pour céder à tes petits caprices, je suis là. Moi, ta petite sœur. Je t'ai acheté un cadeau. Non. Oui. C'est vrai? J'espère que ça te plaira. Je l'ai choisi avec beaucoup d'amour. Un cadeau? Oh non. Stéphania, elle est ravissante. Tu aimes? Oh, merci. Merci, merci, petite sœur, ma chérie. Mais c'est pas vrai, mon garçon, je t'ai déjà dit non, Gaëlle. Mais pourquoi tu ne veux pas, puisqu'Elisa m'a invité, Père Loupé? Bien qu'elle t'ait invité, ça ne change rien. C'est une réunion entre adultes, c'est pas pour les enfants. Et pourquoi Damien, il a le droit, lui? C'est pas juste qu'il puisse aller chez Elisa et pas moi. Un petit polisson. Eh bien, moi, ce que je ne trouve pas normal, tu vois, c'est qu'à ton âge, mon petit Gaël, tu sois tout chamboulé à cause d'une fille. Hmm? Je ne suis chamboulé par personne. Et Elisa est mon amie, tout comme Damien. Ah oui? Oui. Mon cher, je ne suis pas dupe. Vous aimez tous les deux cette fille. Tu crois que je suis aveugle, dis? Ah! Allez, viens par ici. Écoute-moi bien. En plus, ni lui, ni toi n'avaient l'âge de penser à ce genre de bêtises. Et encore moins d'aller à des réunions sociales. Ah, mais c'est vraiment pas juste, Père Loupé. Mais c'est comme ça, ça suffit, on se tait. Allez, on rentre à la maison. Ne t'en fais pas autant. Et hop, c'est fermé. Ça ne t'a pas fait mal? Non, ça ne m'a pas fait mal, je suis costaud. Ah. Et je doute fort que ma sœur soit d'accord pour lui donner la permission d'aller à ce fichu dîner. Allez, on y va, il est temps. Et tiens, éteins la lumière, elle n'est pas gratuite. Allez. Oui, d'accord. C'est moi qui ferme la porte. Enlève ses vêtements immédiatement et mets ton pyjama, Damien. Pourquoi, maman? Parce que c'est moi qui commande. Oh. Tu n'as rien à faire à ce dîner, Damien. Mais puisqu'Elisa m'a invité, et puis Gaël aussi va y aller. Mm-hmm. Même si tous les enfants de la Ermita y allaient, tu n'irais pas. Point. Et pourquoi pas? Tu peux me le dire. Parce que ce n'est pas une fête pour les enfants. Mais Elisa m'a invité, papa. Tu as entendu? Elisa l'a invité. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de mal, hein. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais sans chaussures? Ouse, va mettre tes chaussures! Tu veux pas y aller pieds nus? Tu es d'un cynisme, Rosendo. Pourquoi? Ah! Parce que je t'ai contredit devant le petit. Pas seulement ça. Que tu emmènes justement notre fils dans cette maison. Ah non. Commence pas, Alfonsina. Écoute, il vaut mieux qu'on en reste là, parce que non. Je vais prendre ma douche, allez. Il
est trop tard. Oui. Ça fait des heures que je t'ai demandé de rentrer. C'est possible de savoir avec qui tu étais, ce que tu as fait, tout l'après-midi? Naturellement que c'est possible. J'ai fait exactement la même chose que tous les jours. Travailler. À propos, mon amour. J'ai appris que Stéphania était allée à l'usine. Tu ne l'aurais pas vue par le plus grand des hasards. Non, Alfonsina. Je ne l'ai pas vue de la journée. Maintenant, je vais me préparer avant que nous soyons trop en retard. Mon amour, tu es où? Ah, beau-frère, je crois qu'elle est dans la cuisine, à finir tous les préparatifs, tu sais bien. Viens ici, je vais t'aider. Avec cette magnifique cravate. Je crois que je ne saurais jamais faire le nœud de cravate. En effet, je vois ça. Je voulais dire... Quoi? Je te remercie d'avoir accepté de rester dîner ce soir avec nous. Je sais que Rosendo, tu ne le portes pas dans ton cœur. Mais tu sais aussi que pour toi, je ferai n'importe quoi, beau-frère. Pas vrai? Il faut également que je te dise qu'aujourd'hui, je te trouve plus belle que jamais. Vraiment? Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Bien entendu, je ne suis pas aussi jolie que ma sœur. Tu n'as pas idée à quel point elle est superbe. Elle s'est faite très belle pour ce soir. On voit qu'elle veut vraiment faire bonne impression devant ton meilleur ami. Et bien sûr aussi devant sa femme. Bon, ben voilà. J'ai fait de mon mieux. Hein? Tu dis que ma femme se trouve où? Dans la cuisine. Ah, très bien. Mon amour? Stéphania? Voilà une jolie princesse que je vais dévorer et baiser. Oh non, monsieur Logan, ne me mangez pas. Non, non. Mon amour, tu es resplendissante. Merci. En fait, ta sœur avait raison. Tu t'es faite plus belle que jamais. Je sais combien cette soirée est importante pour toi. Et à ce que je vois, tu as préparé ta fameuse sauce au piment. Oui, c'est pour le dîner de ce soir. Ah, au fait... Je suis allée chercher les piments à l'usine de Rosendo. Comme tu m'avais dit que les camions étaient déjà partis, j'y suis allée directement. Excuse-moi, je ne me souviens pas du tout t'avoir dit ça. Non? Oh, c'est bizarre. J'ai sûrement dû entendre un des employés dire ça. Ouais, ils sont arrivés! Ils sont arrivés! Ils sont arrivés! Ils sont arrivés! Bonjour Elisa. Bonjour Damien. Bonsoir. 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 Comment ça va? Entrez, je vous en prie. Comment vas-tu, Alfonsina? Très bien, merci. J'en suis ravie. Content de te voir, Stéphania. Pareil pour moi. Soyez les bienvenus. J'espère que nous n'arrivons pas trop en retard. Non, absolument pas. Tu as dit bonjour, Elisa? Oui, papa. Oui, c'est toi. Oui, c'est une petite fille bien élevée. Et surtout très jolie. Merci. Elle ressemble de plus en plus à sa mère. Merci beaucoup. Carmena, tu es ravissante. Merci, merci beaucoup, Alfonsina. Bonsoir à vous. Vous tous. Allez, passons au salon maintenant. Et vous, les enfants, pourquoi n'allez-vous pas jouer dans le jardin? Oui. On y va? Entre, je t'en prie. Cher ami, Rosendo, c'est la forme. Tout va bien. Oui, tant mieux. Tout va bien. Gaël! Hé Gaël! Le dîner est servi! Non, mais quel garçon désobéissant! Tête de pioche! Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas apprendre à obéir. Le nid d'oiseau est là-bas, dans cet arbre. Et comment tu le sais? Parce que Lolita me l'a dit. Oh, c'est drôlement haut. Elle va savoir où est le nid. Je vais m'en te le chercher. Gaël, je pensais que tu n'allais pas venir. Eh ben, tu vois, si. C'est super. Oui,
C'est super. Je vais descendre le nid. Il est où? Là-haut. Le premier qui le trouve a gagné. Attendez-moi. Mon amour, ce ne serait pas mieux que les enfants mangent avant? Oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas? Ils n'ont qu'à manger. Pourquoi ne vas-tu pas les chercher dans le jardin pendant que je sers le vin? Vous voulez du vin? Oui, merci. Oui, merci. Je vais t'aider. Merci. Avec plaisir. Allons-y. Qu'il est serviable, ton mari, Alfonsina. Oui, en effet. Tu m'excuses, Carmina. Je vais dire à Damian de se laver les mains avant de passer à table. Naturellement. Attends. Voyons voir. Plus haut, allez! Sur la droite! Elissa? Plus haut! Toujours aussi chippie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites là, Elissa? C'est juste qu'on cherche un nid d'oiseau, papa. Il n'y a pas de nid qui tienne. Descendez de là. Je t'ai vu, Damian. Et toi aussi, Gaël. Descendez. Damian, attention de ne pas tomber, je t'en prie. Oh, qu'est-ce que tu crois, maman? Très bien. Allez, Damian, va manger. Je te lave les mains. Voyons voir si vous pouvez me rattraper. C'est moi qui vais gagner. Toi aussi, Gaël. Allez, va manger. Merci, monsieur. Ah, mais ce n'est pas possible. Qui a bien pu avoir l'idée de grimper à cet arbre? Sûrement une trouvaille de Gaël, hein? Je ne vois pas pourquoi tu le laisses venir chez toi, Augusto. C'est l'ami d'Elissa, comme Damian. Ah non, excuse-moi. Tu ne peux vraiment pas comparer cet enfant à mon fils. Depuis quand est-ce que cet enfant t'est devenu insupportable? Depuis aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que tu as dû venir à reculons chez moi. Ah, mais je ne vois pas de quoi tu parles, Augusto. Ah, je t'en prie, cessons la comédie. Je sais très bien que tu ne voulais pas venir. En plus, je connais la raison. Qu'est-ce qui te déplaît autant chez ma femme? Ah, mais écoute, Augusto, tu te fais des idées. Non, je ne me fais pas d'idées. Pourquoi ma femme te déplaît-elle autant? C'est d'accord. Je vais tout te dire. Finalement, je crois que tu mérites de le savoir. Stefania n'est pas la personne que tu crois qu'elle est. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta femme te trompe, Augusto. Elle te trompe précisément avec mon mari. Rosendo et elle sont amants.